Coucou YouTube! Alors. On repousse un tout petit peu la mascotte encore, tu te relèves un tout petit peu pour que je puisse m'installer sous la couette. T'en prends de la place, hein. T'en prends de la place, pas comme si l'île était tout petit. Ok. Donc là, mission annexe 5 sur 7, donc ça sera par la suite, on a dit qu'on avait fini ici. On a fini ici. Je pense qu'on va faire les défis pour débloquer une nouvelle tenue. On va faire défi d'infiltration. Ensuite, on viendra faire le défi de combat, voir si on peut. Si ça prend autant de temps que les défis de parcours, ça sera assez sympa. Alors après, j'ai aucune idée de ce à quoi ressemble la tenue, hein. Donc là, vous voyez, on a la tenue de Noël qu'on avait. Je sais pas si je peux faire une. La capsule est dans ce pot. Avant, on Ce venait que je ici peux pour voir au observer les soleil. étoiles. Hop. On n'en a pas vu jusqu'au Voilà. blackout de On 2016, ressemble là. à ça. Donc la Oh, tenue il y noire en et avait rouge partout dans le habituelle. ciel. Mais avec les bottes, bah, les chaussettes qui tiennent chaud. L'écharpe, Alors, bonnet et Xavier, tout. tu t'as rappelé? Non, j'ai eu aucun retour. C'est Je vais rien trouver. Je vais où alors? C'est sympa. Spider-Man d'entraînement, capsule, il y en a 5, il nous en manque 2. Ah oui, avec la cache, ok. Et il y a une appli, J'étais une au collège activité de plutôt. On l'appli. pourrait être un de ces personnages de parc aquatique. Coincé Un contre laveur un de bottes en immeuble. difficulté le long d'une façade. Bah On va aller faire oui. ça. Je pensais que l'appli, ça se mettait à jour régulièrement, mais en fait, non, c'est des petits trucs qui se mettent au fur et à mesure. Donc Le en laveur gros, de c'est vitres, pareil. ça doit être lui. Ça fait un moment qu'ils sont. Qu'ils sont coincés. Oh, Spider-Man, Dieu merci, vous êtes là. Ma plateforme est en panne et je suis coincé. Alors, soit je vous porte jusqu'en bas, soit je répare la plateforme. Je préfère la deuxième option. Ah oui, il y a des méchants en haut. Ok. Ça m'énerve les méchants parce que le monsieur a Quelqu'un a rien coupé le demandé. courant exprès. Voilà ce que ça fait de coincer les gens sur une plateforme. Hop là. Il me reste plus qu'à connecter ces relais et ce sera bon. C'était pas rassurant, ça. La surtension a dû couper le circuit. Je devrais pouvoir rétablir le courant à l'autre bout en suivant ces câbles. Tenez bon, monsieur. Je m'occupe de vous tout de suite. Un générateur. Bingo. Ça devrait faire. Je dois juste relancer le disjoncteur. Et là, je le laisse. Faut revenir lancer le disjoncteur, monsieur. Le courant va jusqu'au disjoncteur. Le courant est revenu. Cool. Voilà, monsieur. Vous m'avez sauvé la vie. Pas Je sais de pas soucis. comment vous remercier. Y'a pas de quoi. Rien à C'est faire. rien. Merci Spider-Man. Je ne me plaindrai plus jamais de devoir nettoyer tes toiles. Là, l'avant. Ce qui est cool, c'est quand on jette les gens, ils sont retenus un peu comme. Ils meurent pas quoi, ils tombent pas et tout, c'est. Salut les Danny fans! Harlem a été secoué par une série d'incidents ces dernières semaines, comme l'attaque du CJ Walker Park. Ah oui. Spider-Man a protégé les habitants, mais il ne l'a pas fait seul. Je suis avec Gankili, un résident de Harlem qui a aidé Spider-Man à sauver le quartier. Ça met du baume au cœur d'aider les autres, d'autant plus en découvrant que Wilson Fisk était derrière quand tout les gens ça. Se. Mettre fin à ces opérations sera un déo fait de ma carrière, et celle de Spider-Man. Tu m'étonnes. Ok. Ne laisse pas tromper par le costume rouge. La furtivité est très importante dans ce métier. Dans ce défi, tu dois éliminer tous les ennemis sans qu'ils te voient. Plus tu seras rapide, plus tu marqueras de points. Accroche-toi au point de départ pour commencer. Ok.
Épreuve de furtivité. En avant. J'aime bien. Essaie de te placer au-dessus d'un ennemi et de l'entoiler. Rien de tel qu'un pont à cause de bruit. Si je me fais voir, c'est grillé. Je dois rester caché. Ça va laisser une trace. Oh, ça c'est un bon paquet cadeau. Ça, c'est ce que j'appelle une furieuse envie de pisser. J'adore être furtif. C'est comme jouer à cache-cache avec les méchants. Je m'éclate. Pas toujours aussi. Moi aussi j'aime bien. C'est sympa. On formera en papier holographique dans 3 semaines. Oh, bonne idée. Je devrais ajouter ça. Faut être plus rapide. Il en reste plus que la moitié. Me gusto. Ok. Système de combat à l'arrêt. Je sais pas ce que c'est ça. Mission. En fait, c'était facile. Ouais. Hop. Excellent travail. Nickel. Vraiment porte ses fruits. Maintenant que tu maîtrises les techniques de ninja, tes ennemis mettront plus de temps à te repérer. Alors, à pas de loup, ça fait quoi? Infiltration. Les éliminations génèrent plus de bioélectricité. Ok. Ça, c'est cool par contre. Technique de ninja, ça claque. Ok, ensuite on va avoir ici le défi combat 2. Avec juste tout droit. Une cage de l'underground. Si elle revient vers moi. T'as plutôt intérêt, sinon on finira tous en taux. Pas du tout. Alors désolé, mais la petite araignée sympa du quartier. C'est n'importe quoi. Il risque d'écraser quelqu'un. Wow, il va plus vite que je pensais. Hop, on spam. Tiens, bon. Et voilà. Hop là. Non, sérieusement? Ces chauffards ont rameuté leurs copains?
Tu peux faire tes prières. Je vais t'éclater. On va. Qu'est-ce que tu penses de mon nouveau joujou? Bim. Ben. Y a quoi dans cette voiture pour qu'il se soit donné autant de mal? Hop là, c'est parfait. Salut, Spider-Man s'en va. Aujourd'hui, j'aimerais prendre le temps de répondre à certaines rumeurs en vogue dans les bars miteux de la ville, selon lesquelles Wilson Fisk aurait déstabilisé Harlem afin de faire baisser le prix de l'immobilier pour pouvoir en profiter personnellement. Alors qu'il est en prison! Tout le monde sait bien que j'ai horreur des théories du complot. S'il existe des preuves, je serai le premier à condamner ces actes. Mais tant qu'il n'y en a pas, il est irrespectueux, irresponsable et malsain de répandre ce genre d'accusations infondées. C'est typiquement le genre de comportement que j'attendrais de la part d'un Spider-Man qui, d'après ce qu'on m'a dit, se frotte les mains. Ta gueule. Salut Miles. Ce défi de combat est axé sur l'art de l'esquive. Élimine les ennemis en encaissant le moins de coups possible. Après 7. Trois coups, bah, tu devras recommencer. Entre dans le cercle quand t'es prêt. Bonne chance. Esquive. Réaliser une esquive. Ok. On va pratiquer l'esquive parfaite. Essaye d'esquiver au tout dernier moment. Lancement d'une attaque de mêlée. Oh, laisse la chance. Encore deux coups. Une faute. Ça va? Analyse des techniques de combat ennemies. Vous avez vu ça? J'ai fait une esquive parfaite. L'ennemi arrive au loin. Attention au tir. Il va tirer, attention. Ils sont hyper nombreux là. Attaque sur la cible. Simulation de combat. Tire, esquive, vite, vite. Je vais y arriver. Statut de combat. Combat rapproché. Attention. Il y a des ennemis au loin. Merde. Ah, t'en fais pas, moi aussi je m'en suis pris les. Allez, on recommence. Entre dans le cercle et réessaye. Wow. Je pense à bien attendre l'esquive parfaite, mais il n'y avait pas assez de monde. Essaye d'esquiver au tout dernier moment. Statut de combat. Combat rapproché. L'ennemi arrive au loin. Attention au tir! Arme longue portée activée. Rendez-vous! Voilà d'autres ennemis! Ils sont hyper nombreux là! Statue de combat. Dommage. Attention! Il y a des ennemis au loin! Oh! Il a eu la chance! Encore deux coups! Une faute! Non mais t'es sérieux là? Je vais y arriver.
main morte. J'ai été touché? Ça va être long. Viens le tranquille. Ça va? Sérieux? Je vais y arriver. Ok, bon, on va s'arrêter là. Hein. Là, c'est fait. Oh, putain, c'est pas évident ça. Compétence revanche. On a vu que c'était ça quand on faisait, on a vu ce que c'était. Quand on a esquivé armé d'un fusil ou d'un pistolet pour l'éliminer. Appuyer sur triangle après une esquive parfaite contre un esprit contre un ennemi armé d'un fusil ou d'un pistolet pour l'éliminer instantanément. Ça c'est cool par contre. Ok. Prochain truc il est là. En un seul coup, je vais voir ce que ça donne. Oh, tant qu'à faire, hein, on passe devant. J'ai de quoi me fabriquer quelque chose. Il est bien là? Ah oui, il est là, j'avais pas vu. Oh. Mais. Foust. J'avais pas vu le truc sur le côté. J'ai deux mots pour toi. Combat aérien. Dans ce défi, les ennemis ne subissent des dégâts que quand ils sont en hauteur. Effectue un maximum de KO en l'air. Approche du point de départ quand t'es prêt. Combat aérien. Oh, ça va me plaire. Oh. C'est un truc que je fais régulièrement. Lancement d'une attaque de mêlée. Et la foule est en délire. Faites pour elle. Essaie de les tirer vers toi pendant que tu es en l'air. La cible a vu. Si t'as le vertige, viens pas me chercher dans les airs. Hop là, on avait rarement fait le. C'est quoi le truc là? Incroyable!
Alors. Peter a raison. C'est plus facile d'évoluer dans les airs. Je jurerais l'avoir vu flotter. Avant qu'il me sécurise la face. Bien joué. Je verrais bien ta musique classique en fait. Comme une balle. Là pour les 10, je les aurais pas. Yes. Et il était plus facile que l'autre d'avant. Purée de pixels. Et du coup, on a dit récupération, les attaques aériennes infligent plus de dégâts et génèrent plus de bioélectricité. Ça c'est cool. Un défi infiltration, on a fait que le 1 pour l'instant. Je pensais qu'on avait fait le 2. Je pensais qu'on était au 2 déjà. Là, donc celui qu'on a fait en mode furtif, il nous détecte plus lentement. Les éliminations génèrent plus de bioélectricité. Et ça, ouais, ok. Ok. Pour infliger plus de dégâts en l'air. Allez, on va dépasser. Dégâts augmentés. Je me sens déjà plus fort. Dégâts augmentés dans les airs, ça va être un peu cool par contre. Hop. J'ai fait nimp. Pas ce que je voulais faire une un saut de l'araignée. Enfin, on continuera le mode histoire à l'occasion, mais voilà, là le but c'était vraiment de pas réfléchir. Hop là. Le but premier de la furtivité, c'est de sauver des vies. Pour remporter ce défi, libère tous les otages sans faire repérer. Le temps est compté, alors fais vite. Accroche-toi au point de départ. Libérer les otages sans se faire repérer, comment on fait? Ça a l'air tendu. Comment on fait? N'oubliez pas de réaliser. Souviens-toi, tu peux aussi éliminer les ennemis en te déplaçant sur les murs. Les otages sont tous Peter. C'est drôle et bizarre à la fois. C'est Peter tout craché. Alerte du polymère abyssis détecté. Super élimination. Alerte, présence hostile à proximité. Mobilisation d'autres unités suffisantes dans le secteur concerné. Belle élimination, très stratégique. Ouais, j'ai pas vu. Ouais. C'est ma faute. J'aurais pas dû foncer dans le tas et aller tout droit. Sachant que. Lui est pire. Je dois être discret. Ah non? Ouais. Je fais pas de. Il y a vraiment lui, celui du milieu là. Hein. Y'a plus qu'à recommencer. Hologramme ou pas hologramme, ces otages sont fichus si les gardes me voient. Je pense que je sais comment faut que je l'aie. Désolé, Miles. Ah non ! Je pensais que j'allais m'en tirer. Faut que je l'aie avant que l'autre arrive. Il
faut que j'attire ces types loin de l'otage. Tu l'as pas vu venir, celle-là. Mais non! Ah, j'étais bon en plus, c'est juste que là j'ai sauté je sais pas où. Je pensais que j'allais m'en tirer. Bah oui, moi aussi. Ok, on recommence. Lui c'est bon. Faut que ça continue. Ça va laisser une trace. Examen des variations stratégiques. T'en veux ? Désolé, Miles, ça paraît tard. Non, mais c'est bon. Je suis plutôt pas mal. Donc, l'autre, il faut que je le jarte loin pour l'éliminer. Lancement des routines de recherche. Je t'ai eu. De rien. Ouais, c'est vrai. Vous existez pas. Tu viendras me sauver, Miles, Spider-Man. Excellent, j'adore. Ça me gusta. Ok, alors j'avais vraiment pas pensé à ça en dessous quoi. J'avais pas compris du tout. Purée. Ça je l'avais pas vu venir. La furtivité est ton ami. Faut penser à faire quelques éliminations silencieuses la prochaine fois.
Enfin, c'est bon, en principe, je pensais être bon en élimination silencieuse, mais les gars en dessous, pourtant, je me suis dit, ouais, nickel, j'ai de l'avance et tout. Quand j'ai pas. Je suis désolé, j'étais concentré comme un débile. En plus, je suis malade, donc je tourne au ralenti. Je suis désolé. Je vous ai pas parlé, mais ouais, je. Pas mal le défi. Fallait le savoir qu'il y avait un truc en dessous. Fallait le deviner, du moins. Bah non, parce que c'était sûrement. C'était pas à deviner, hein. Je pense qu'il y avait sûrement un truc qui me l'avait montré. Hop, comme ça en passant, c'est très bien, on récupère ça. L'underground a de vilaines méthodes, mais du matériel au top. Hop là, c'est ici. Tac. Quand on a rarement vu des trucs où il fallait sauver. Pardon, où il fallait sauver des otages pour l'instant. Pourquoi j'ai cliqué sur triangle pourtant. Oula, on se calme les 2 secondes. Les bombes sont chaudes, plus très chaudes. Hein. Le plan diabolique d'un super vilain, sans une série de bombes dispersées un peu partout. Désamorce toutes les bombes pour remporter ce défi. Agis vite pour marquer plus de points. Accroche-toi au point de départ pour commencer. Ok, on va désamorcer ces bombes. Ok. Avec des gens partout et j'ai pas vu, j'ai vu sans se faire repérer. Si tu parviens à éloigner les cartes de la bombe, tu pourras la désamorcer sans qu'il te voie. Capteur de détection passive activé. Ah oui, ok, attends, parce que là. Super élimination. En attente d'un combat. Belle élimination. Oh, merde, quel con. Je me demande ce que pensent les gens quand ils me voient faire ces défis. Tiens, c'est encore Spider-Man qui attaque des hologrammes. Il m'a l'air parfaitement. J'avais pas vu du tout que l'autre était. Que l'autre était de l'autre côté et qu'il se protégeait. Essaie d'éloigner les gardes et ensuite, faufile-toi pour désamorcer les bombes. On doit les éloigner de la bombe. Non mais. Activation des protocoles de renfort. Alerte auditive. Intrus potentiel. Pas de bol sur ce coup. Désolé. Ok. C'est vrai que je suis pas obligé de tous les. Réacquisition du suivi visuel. Perturbation auditive détectée. Allez, trace d'activité. En fait, c'est facile.
centrale de recherche active. Ok, donc là je filme incroyable. C'est supérieur à 2 minutes. Je suis pas obligé d'éliminer tout le monde, mais bon. J'espère juste qu'il n'y a pas de fin de compte à rebours. 3 minutes. Il me reste encore des bombes à désamorcer. Ça craint plus rien, bien joué. Mais il y en a d'autres. Je sais que c'est des fausses bombes. Mais c'est quand même hyper stressant. Elle est où l'autre? Ah, elle est là sur le bateau. Ok. Bon, déjà on a réussi. Tout simplement incroyable. C'était un peu très nul. Tu veux faire une entrée remarquée? C'est même voilà. très nul. Pimente un peu tes éliminations et elles toucheront plusieurs ennemis à la fois. Ça! Pimenter mes éliminations. Bonne expression. Faudra que je l'utilise plus. Wow! Bien joué! T'as terminé tous les défis. Alors, imagine qu'il ne reste plus qu'à dévoiler l'ultime défi bonus. Super secret. Rends-toi à l'ESU et tu l'oses. Oh putain! Non, Peter! C'est où le SU? C'est par là-bas, ça me plaît bien. Ça, c'est là qu'on a. Ça, c'est fini, ça, c'est fini. Ça, c'est fini, ça, c'est fini. Ça, c'est pas fini. Moi, je pense qu'on va monter à l'ESU là. Ensuite, on ira finir le repère de l'Underground. Et ça ira bien, hein. Ouais, ça ira bien, c'est pas. Ah ouais, c'est vrai. Les méchants prennent genre, c'est pas un truc de. Il faut avoir fini vite, mais ça sera l'heure d'aller au dodo après. Alors, qu'est-ce que c'est le test ultime? Qu'est-ce que c'est? L'ESU, sol sacré. Ma terre nourricière. Je t'ai déjà raconté ce qui m'est arrivé quand j'ai commencé les cours ici. Approche du point de départ et profite de l'histoire comme si tu y étais. Oh, ça va être marrant. Préparez-vous à un combat dantesque. Ok. Nous sommes le jour de la rentrée. Je vais te transformer en quoi d'autre, Peter Pan. Éclaté sur ce coup-là. Fred Bestman, l'ancien partenaire de recherche de Culture, était enseignant à l'ESU. Culture a essayé de tuer. J'ai essayé d'en empêcher. Je crois, Knight, a été un bon appel. J'adore les histoires de Peter. Toujours dans mes pattes, Spider-Man. Pourquoi tu ne peux pas me laisser commettre mon écrivain sur les prétentions en fait. On dirait que ça fait remonter des trucs chez Peter d'imiter Vulture. Ah ok, elle l'esquivait avant. Trop réaliste. Je t'ai dit que j'étais fan de Shakespeare. Je l'adore, j'ai tout lu. Mais je suis incapable de citer correctement dans mes combats. Maître ou ne pas maître? Telle est la question. Les adversaires de Spider-Man ont de sérieux problèmes. Prends ça, Spider-Man. Ah, c'est trop long.
équipe de Vulture a débarqué. Non. En fait, il m'a juste laissé me fatiguer tout seul. Il était à peine essoufflé, et moi j'en pouvais plus. J'avais l'impression qu'il y avait deux Vultures. Deux Vultures? Ok. Mais c'est bizarre. Ça va, oui. Ça fait des becs. Ah, qu'est-ce que j'adore avec ce giron. Garde, il a raison. Qu'est-ce qui m'a fait tenir? J'ai vu NJ hier en train de m'encourager. Si eux croient en moi, je ne vais pas les détruire. Je vois où il veut en venir. Se battre avec un message. Bonne structure thématique. Ok, c'était pas évident. Les esquives de trucs qui arrivent de partout et tout, pas évident du tout. Mais c'était cool. C'était cool. Un entraînement génial. Premier super vilain de Pete. Bravo à Pete pour ses super mécaniques de combat. Nouvelle tenue. C'est vrai qu'on n'a pas pris un seul niveau depuis tout à l'heure. Ah, si, on en a pris un. Alors, les attaques murales paralysent les ennemis à l'impact. Délai de réutilisation de 5 secondes. Mais les attaques murales, j'en fais pas souvent. Appuyez sur L3 et R3 en mode camouflage pour redevenir visible en libérant un éclair aveuglant. On a dit bof moyen. Point inflige un bonus en camouflage. Maintenez L1 et R1 pour tirer vers le bas les ennemis entoilés furtivement. En touchant le sol. Attendez, les ennemis. Genre qu'on a entoilé avec le truc, ça peut être sympathique. Ça peut être sympathique. Le coup final ne coûte pas d'énergie de camouflage. Ok, bof. Ça, les ennemis paralysés qui sont jetés sur d'autres cibles propageront la paralysie, ça peut être cool. Les ennemis paralysés subissent 50% de dégâts de plus contre des attaques basiques. Écoutez, on va propager la paralysie, ça sera cool. J'aurais pas pu prendre ça, hein. Non. Ok. Alors, la tenue... Hop. De Max 2020. Elle est chelou. Elle est chelou, on va la garder pour finir la zone en haut. Et on la changera après. On a dit, du coup, celle-ci, et on aura quasiment fini là-haut. Là où il nous restera des quêtes annexes,
Ça, on est à 100%. Ça, on est à 100%. L'Upper East Side, on sera à 100%. Hell's Kitchen, on aura une mission annexe par la suite. Et Midtown, on sera à 100% aussi. Enfin, on est à 100%. Peut foirer notre balade là. Et du coup, on sera pas trop mal. Bon, on n'a pas gagné beaucoup de points de progrès avec les. Avec les défis de Spider-Man, mais ils sont pas évidents. En fait, j'aime pas les trucs trop dictés personnellement. C'est pour ça que je suis nul en course de bagnole et compagnie, parce que passer dans des trucs, ça m'emmerde. Suivre un truc bien précis, ça m'emmerde. Oula! Je suis au repère de l'Underground dans l'Upper East Side. Cool! Toi, tu cherches le brouillard et moi je fouille pour savoir ce que l'Underground fabriquait ici. Y a plus personne. Hop là. Bien les gros avec les gros marteaux, c'est chiant. Hop, ça les remet un peu partout. Hop là, voilà. Ça permet même de récupérer ça. Danny, comment ça se présente? J'arrive pas à joindre Danny. Allez voir si ça va. Vic, envoyez des renforts! Pourquoi ils ont toujours des renforts et pas moi? Hé, hey, Spider-Man. Je me suis renseigné sur cette adresse en croisant avec des filtres sur l'Underground. C'était un repère de Tombstone avant. Wow! Et t'as appris des trucs? L'Underground et Tombstone ont fait plusieurs coups ensemble. Cambriolage, vol de voiture. Mais ils se sont embrouillés après qu'un membre a tué l'un des hommes de Tombstone. L'Underground manquait d'armes. Jusqu'à ce que Tinkerer débarque. Ouais. Et comme Tombstone a fini en prison entre-temps, ils ont pu revenir ici tranquille. Je crois que Katsy va pas bien si elle vous répond pas. Casse-toi maintenant, bon,
rien à voir sinon, mais... Est-ce que t'as un musicien pour composer ton intro? Je suis sortie avec un mec, genre 30 secondes, et il a eu la gentillesse de m'écrire un jingle avant qu'on se sépare. Oh. Si t'as besoin de quelqu'un pour te mixer du son, je connais quelqu'un. Ça serait vraiment génial, parce que j'ai aucun sens de la mélodie. Spider-Man est en train de nous cueillir un par un. Eh oui. Bien vu, Captain Constat. Le reste du monde, hein. J'aime bien parce que là, ça fait vraiment Spider-Man. Steph, t'es là? Allez voir si elle va bien. Oui, je vais voir ça tout de suite. Au moment où il décollait. Bon, écoutez, on a un problème. Il y a personne ici. Oui, ça, on l'avait pas testé, ça. Oh. J'avais oublié que je pouvais faire des attaques comme ça. S'il était coincé dans les cartons, le pauvre. Pauvre bébou.
J'ai entendu un truc. Les gars, y'a des toits. Aidez-moi, je dois aller. Boum. Il en reste encore un. C'est sympa ça aussi, ça c'est j'avais jamais. C'est vrai que c'est très rare que. Bim. Bonjour. Ok. Cool. Oh merde. J'ai plus qu'à trouver le brouilleur et l'arrêter. Hop, donc déjà ça. Et ensuite on chope le brouillard. Ok, tac. Ça ou c'est plus bas? Ça a l'air d'être les. Et il est là-bas. Alors, comment on entre là-dedans? Il y a un trou par ici parce qu'il est juste en dessous. Ça devrait pas être trop lourd. Ah oui, carrément, genre on pète le mur en fait. Le brouilleur est là. Ils ont gardé les trophées de leur bataille avec Tombstone. Comme c'est romantique. Une moto de Tombstone. Avec un énorme pot d'échappement, bien sûr. Bien sûr. Ouais, c'est vrai qu'ils sont bien. Un énorme pot d'échappement. C'est moi ou ces mannequins ont bougé? Ouais. C'est chez nous ici. Tu nous empêcheras pas de rester. Jamais revoir un mannequin. C'est bon. On joue à deux, hein. Je préviens la police. On joue à deux avec les mannequins. Je vais remonter le fil et explorer la collaboration Tombstone Underground pour ma série. Je devrais décoller avant que la police ne débarque et ne colle des rubans jaunes partout. C'est joli le truc. Du grey dust. Ça rend la peau presque vulnérable. Pete avait mis au point un produit pour contrer ses effets. J'espère ça serait peut-être pas mal. Ne se lance pas là-dedans. Parce que si l'under... Bah, c'est ça le problème. Si l'Underground y va, on est dans la main, dans la mouise. On est dans la mouise. Ici, à part des mannequins flippants, je devrais y aller.
Ok. Hop, on gagne 4 jetons d'activité, base ennemie 3 sur 6, mais surtout, ça c'est fini à 100%, ça il nous reste que les missions annexes, l'Upper West Side à 100%, Central Park à 100%, Hell's Kitchen mission annexe, et Midtown 100%. Du coup, il ne restera que les 3 zones du bas, hop, avec les missions, l'entraînement machin. Dans l'émission, on a fait que 18% là, donc les deux activités, bah les activités de l'appli, capsule temporelle, cache de l'underground et labo de Roxxon. Alors les labos, il nous en reste que deux, sinon on aura fait les quatre, ou les au moins tous les labos de Roxxon. Donc c'est plutôt pas mal. On a quand même pas mal de trucs, est-ce qu'on débloquerait pas... Nouvelle tenue, je pense pas, à moins qu'il ait utilisé ce mode pour piéger dans le Spider-Verse et limiter les... Utilisez ce mode pour plonger dans le Spider-Verse et imiter l'esthétique d'une terre alternative depuis votre tenue. Ça peut être sympa ça, l'esthétique d'une terre alternative. Ça dépense quand même beaucoup de trucs pour pas grand chose, mais... 16... Mettre des figures, ça pourrait être pas mal. Et celle-ci, elle n'est pas débloquée non plus. Celle-ci, elle vaut rien. Hop, donc on va la prendre. Donc non. La fille. Toc. Alors, on va prendre... J'ai bien envie de tester... alors, terminer toutes les missions annexes des repères de l'Underground et des labos de Roxxon. Donc ça, c'est pour bientôt. Ok. Celle-ci, on peut la prendre. Haute concentration. Ok, donc ça, on s'en fout. Par contre, c'était celle-ci d'un univers à l'autre. On va la prendre. Je la trouvais pas super jolie. Hop, du coup on plonge dans le Spider-Verse. Ah oui, on marche en... Alors c'est... Salut les Danny fans. C'est fait exprès, hein. C'est le côté... le côté un peu Spider-Verse, donc c'est peut-être ça, ou du coup... C'est peut-être avec ce mode-là qu'on a le... Oui, vous avez bien entendu. Ils ont collaboré par... Qu'on va avoir le mode intéressant pour les combats. Violent affrontement au cours duquel l'Underground était sous-armé. Ensuite, Tombstone a été incarcéré et peu de temps après, Tinkerer est devenu leur nouvel chef et fondateur. Les enfants ont besoin de ces jouets. J'en reviens pas. On va pas aller le faire parce que il est déjà tard, je crois. Par contre, le crime en cours, il est plus là. Déjà. Je veux taper du monde avant de. Avant de partir. Donc, vous voyez l'effet. L'effet, c'est un effet vraiment bizarre. Leur mode est sympa parce que on se croirait vraiment dans le film The Spider-Verse où on voit plusieurs Spider-Man et surtout un Miles Morales vraiment en dessin animé un peu. Bah, le Spider-Verse, c'est un film d'animation déjà. Mais voilà, avec des déplacements un petit peu du coup animés comme ça, plus que réalistes. J'aimerais bien trouver du monde parce qu'il me semble qu'il y a une tenue. Voilà, parfait. Hey, est-ce que tu savais qu'il y a un cambriolage toutes les 13 secondes? Merde, c'est Spider-Man! Comment il nous a trouvés? Sérieux, cambrioler les gens pendant les fêtes, c'est pas cool. Non, on dirait pas que ça change grand chose, mais... Peut-être dans les coups. Non. Non, je trouve que ça change pas grand chose. Ah,
Ça donne un effet un peu bizarre, mais c'est à peu près tout. Ça vous apprendra. Ok. Bon, du coup, faut qu'on change absolument le mode, quitte à ce qu'on change pas de tenue. Ah oui, il y a un truc qu'on n'a pas fait, que j'ai pas fait aussi. Parce que c'est bien de... Attendez, hein, je regarde ce que je prends, on avait dit quoi? Les ennemis restent entoilés. Hop là, on a quoi? Augmente l'esquive parfaite lors d'un scan, ok. Par contre, on peut augmenter les gadgets, c'est ça qu'on n'a pas fait. Entoiler un ennemi paralysé contre le sol ou contre un mur, le transforme en bombe de toile. Ça c'est cool. Hop, ça vaut 10, on peut le prendre. Ça vaut 12, on va déjà tout prendre. Augmente la capacité d'étourdissement de la mine télécommandée de 3 à 4 ennemis. C'est pas mal. Augmente la capacité des mines de 1. Augmente la capacité maximum du puits gravitationnel de 1. Désarme les ennemis piégés, ça peut être pas mal. Et là du coup on en a déjà plus. Le puits gravitationnel peut affecter les gros ennemis. Les dégâts des mines sont augmentés. Reste actif plus longtemps. Ouais. Alors voilà, le truc c'est qu'on a quand même. Bon, on n'a pas débloqué beaucoup de tenues. Hein. Il nous en reste 1, 2, 3 qu'on pourrait acheter. Mais surtout, là, il nous en reste un petit peu plus. On augmente les chances d'obtenir des munitions de gadgets. Ça vaut 10. Mais de toute façon, les mods, j'ai déjà ce que je veux. Donc. Et là, on a quoi? Les attaques ont une esquive. Après une esquive parfaite. Ouais, on s'en fout. Les attaques en mêlée génèrent un bonus de temps de camouflage. Chaque sixième coup d'un ennemi paralyse. 5/6 coup d'un combo paralyse l'ennemi. Ça peut être sympa. Augmente toutes les munitions gadgets de 1. Bon, c'est pas. On va rester tel quel. Ok, on fait la cache, écoutez. Et puis. Et après, on va arrêter. J'espère que vous avez passé encore une bonne soirée sur Spider-Man. Une bonne journée, parce que pendant les fêtes, Spider-Man, les Let's Play sortent à midi. J'espère que vous passez une bonne journée. Moi, je vais vous laisser sur une vue de là-haut. Voilà, sur une petite vue comme ça. Alors, est-ce qu'on a la tour Avengers visible quelque part? Ça doit être celle-là là-bas, je crois. Oui. Et bien, écoutez, on va se quitter sur des pigeons qui volent devant la tour Avengers. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous aimez bien Spider-Man. On avance, on finira l'histoire tranquillement, mais tant que je suis malade, j'aime autant faire des trucs nimpes, nazes, du genre ça, quoi. Faire nimpes. Voilà, passez une bonne journée, une bonne nuit, et puis à tous, tout le monde, à plus. Ciao, ciao, bisous, salut YouTube!